Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono saison 2, c'est le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital et aujourd'hui on accueille Gauthier Chapuis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller délégué à l'alimentation à la ville de Lyon, c'est vous qui chapeautez en gros le repas que mangent les petits Lyonnais dans les cantines, avec cette année ces deux menus, le menu petit bouchon avec de la protéine, enfin de la viande, et un menu 100% végétarien. Dans le menu qui comporte de la viande, il y en a deux fois par semaine. Pour vous, c'est le maximum. En quoi est-ce pertinent de limiter à deux repas par semaine avec de la viande? Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est une nouveauté, hein. C'était un engagement de campagne même, d'avoir une alternative végétarienne et puis de réduire la part de protéines animales dans les repas. Alors c'est une triple réponse que l'on fait là. C'est déjà un enjeu de santé publique, de manger moins de viande, c'est bon à la santé. On mange aujourd'hui trop de viande. C'est également un enjeu pour nos agriculteurs et agricultrices d'aller chercher de la viande locale, du territoire, labellisée ou agriculture biologique d'ailleurs, ou label rouge. Et enfin, c'est un enjeu climatique, puisque réduire la part de viande, c'est également réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qu'on peut vous reprocher, c'est l'impact social, puisqu'on sait qu'il y a des familles qui ne font jamais manger de viande à leurs enfants, puisque c'est l'école qui s'en charge, et ça leur permet aussi de faire des économies. Est-ce que vous n'allez pas un peu contre cette dimension sociale du rôle de la cantine scolaire aussi ? Alors, au contraire, parce que souvent, en fait, c'est une idée reçue que l'on a. Souvent, les familles qui sont les plus précaires, d'ailleurs, mangent beaucoup de viande et souvent de qualité moins bonne. Et donc, la cantine, quand je parle de justice sociale, c'est aussi ça. Servir plus de diversité en termes de fruits, en termes de légumes, en termes de protéines végétales, puisque tous les apports sont là, hein, au niveau nutritif. Mais c'est également servir, comme je le disais, de la bonne viande, finalement. Et c'est à deux niveaux, à la fois pour toutes les familles, puisque toutes les familles, tous les enfants peuvent passer à la cantine. Et puis c'est aussi, comme je le disais, pour les agriculteurs et les agricultrices, puisque c'est un geste envers eux de pouvoir se dire qu'on va se servir localement en viande de qualité. Et alors, dans les faits, qui l'emporte, le menu avec ou le menu sans viande, le menu végétarien ou le menu petit bouchon? C'est assez, assez intéressant comme question. Aujourd'hui, dans les usages, comment ça se passe? Ouais, c'est principalement le menu carné. Aujourd'hui, on est à peu près 50-50. Alors, on est encore au début, finalement, de l'année scolaire, hein. On va avoir le mois de septembre pour que les familles choisissent, puisque c'est effectivement un gros changement. Donc, elles peuvent encore changer de menu. Aujourd'hui, on est à peu près à 50-50. Donc, 50% petit bouchon et 50% alors jeune pousse et mixte. Où le menu mixte, c'est où on choisit entre finalement les deux menus, pour laisser le choix à toutes les familles de faire un peu comme elles veulent à leur carte. Pour la collectivité, pour vous, sur un aspect purement financier, quel menu est préférable? Le menu jeune pousse, est-ce qu'il coûte moins cher finalement que le produit et le menu protéiné? On le calcule pas comme ça. Oui, non, mais c'est une question aussi. C'est une question un peu globale finalement, hein, de l'équilibre financier. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, les nouveaux menus coûtent plus cher à la collectivité, de 4 millions d'euros. Hein, voilà, c'est un geste fort que l'on fait. Parce que c'est le bio? Alors, parce que c'est le bio et parce que c'est du produit labellisé. Par exemple, quand vous allez chercher du fromage à la découpe ou des pommes ou des poires locales bio, effectivement, ou de la viande, même label rouge, eh bien, ça coûte plus cher puisqu'on va chercher des produits de meilleure qualité. Mais cet engagement-là, il est juste pour nous de le prendre pour tous les enfants et tous les petits Lyonnais et les petites Lyonnaises. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, ça s'accompagne d'un investissement massif sur la cuisine centrale où on a investi 4 autres millions d'euros, finalement, pour acheter des grosses marmites pour cuire et refaire de la cuisine, finalement, en cuisine centrale. Les prix n'ont pas augmenté. Est-ce que c'est soutenable dans le temps avec l'inflation que connaît la France? C'est aujourd'hui un engagement qui est très fort, effectivement, au-delà de la qualité, de maintenir ces prix-là sur tous les quotients familiaux de la ville de Lyon, puisque chacun paye à sa juste mesure en fonction de ses revenus. Et c'est également, effectivement, un engagement fort que l'on a fait pour cette année scolaire. L'avenir. Après, vous voyez dans ce que vous font remonter les services, et notamment les services financiers, bien sûr, l'addition qui flambe. Bien sûr. Alors, on voit surtout que, effectivement, les prix augmentent. Mais en fait, tout augmente. On va avoir une crise énergétique qui va être massive là au niveau de l'automne et puis de l'hiver, avec notamment la guerre en Ukraine.
l'engagement de la ville de Lyon, c'était justement de ne pas alourdir la facture des familles au niveau de l'alimentation, d'autant plus que là, il est question d'alimentation pour les enfants, et qui touche tous les foyers finalement, et donc tous les enfants. Donc c'était pour nous important en termes de justice sociale de ne pas augmenter ce prix-là, quand bien même effectivement le coût de la vie pour les foyers vont augmenter. Dernière question, et on va revenir à la partie carnet. À Grenoble, ville écolo, deuxième mandat d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, le menu ne comporte de la viande qu'une fois par semaine. Il explique que la viande doit devenir l'exception. Est-ce que c'est finalement sur ce chemin-là que vous, la ville de Lyon, vous orientez? Le chemin vers lequel il faut aller, et c'est l'engagement finalement, c'est la responsabilité des collectivités, c'est de diversifier déjà, d'offrir toute une palette de produits. C'est un objectif pour la fin différents. Du mandat pour vous? J'y viens. Et après, c'est effectivement de réduire la part de la viande. Je crois qu'au niveau de Lyon, on a trouvé un juste équilibre avec une offre végétarienne, une offre avec des produits carnés, hein, de la viande mais également du poisson d'ailleurs, et puis une version où l'on peut choisir entre les deux. Comme ça laisse vraiment le choix, et c'est vraiment le choix aussi qu'a fait Grégory Doucet, maire de Lyon, d'offrir la possibilité à toutes les familles de choisir. Et c'est ça qui me semble le juste choix. Merci beaucoup Gauthier Chabé d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous Merci. Retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 6 minutes chrono. Au revoir.